Ah non, il y avait des tables partout, pas penser à moi, puis encore du plâtre, à grandeur, qu'on était comme, oh non, c'est juste impossible, on sera jamais capable d'ouvrir. À 5h moins quart, parce que 5h, c'était annoncé que c'était l'ouverture officielle, à 5h moins quart, il y avait un line-up sur la rue, on n'en revenait pas, là. Moi, j'en 15 minutes avant, j'étais encore en train de visser des tops de table, tu sais, qui avaient les pieds, c'était ridicule. Samedi matin, je pense que j'allais manger une crème glacée avec ma blonde. Je dis ça dans le journal. Moi, j'avais souri jusque-là. J'ai trouvé un local pour la souche, à part à broyer. Parce que, elle, ça ne tentait pas que j'avais plus de vie. J'allais plus être là. En tout cas, peu importe, on s'est séparés, mais ça a fait que moi, là, j'ai comme vraiment. Je suis rentré dans le projet à 100%. Dès que ça a été autorisé, la construction ici, on a fait les demandes de permis. Comme ça, quand on a fini l'aménagement, nous, on était déjà prêts à brasser. On ouvre à 6h le soir, puisqu'on voulait se laisser la journée pour terminer. Tu sais, c'est jamais fini tant que t'as pas ouvert, là. Même le lendemain, c'est pas vraiment fini. À un moment donné, tu te dis c'est telle journée à telle heure. Fait qu'on ouvre à 6h, puis on avait tout fermé les stores avant d'ouvrir, là, parce que on n'était pas prêts, là, tu sais. Puis quand on a ouvert les stores en avant, on a vu qu'il y avait plein de gens, puis la file a continué, tu sais, l'autre bord, là, plus loin que la vitre. Puis finalement, on a des photos, on a ouvert à 6h, puis comme à 6h13, tu sais, il n'y avait plus de place pour s'asseoir, là. De tonneaux, t'as des barriques de whisky canadiens, deux barriques de brandy qui viennent de Californie, on a deux barriques de Zinfandel, de vin rouge californien, puis c'est la saison framboise qu'il y a là-dedans. Hier, la framboise qui a vieilli en barrique de Zinfandel, ça, je pense que ça va être intéressant. Puis il y en a une autre qui reste à remplir pour un autre projet. Qui était comme vraiment en ligne avec ce qu'on faisait ou vice-versa. On pouvait pas brasser à Montréal parce que faute d'espace puis tout ça, c'était compliqué. Fait que ça devenait comme ça devenait pertinent ici. À l'époque, ça s'appelait Brasseur et Frères. C'était ouvert depuis 2006. Puis en 2010, ben c'est ça. Moi, j'ai approché Éloi. Puis Éloi, ça va faire bientôt un an, presque un an et demi qui est ici à temps plein. Éloi a quand même un bagage d'expérience de presque 12 ans au Cheval Blanc. Fait que, il apporte des idées qui sont vraiment intéressantes. Je pense qu'on partage exactement le même but, la même vision avec ce qu'on veut faire d'une petite brasserie, mais qualitative ici à Donham. Fait que c'est parti de là. Et puis, c'est ça, ça va faire. On a fêté notre deuxième anniversaire officiellement de brasserie Donham le 1er juin. Ils sont en train de rentrer. Ça va prendre 30-40 minutes.
le système de brassage. C'est un kit qui a été très, très populaire dans les années 90, le Pub Kit. Une limite à ce qu'on va pouvoir produire avec ce petit système-là. Donné, ça va être intéressant de monter avec un système à 2000 litres ou même à 4000 litres directement, puis être capable de remplir les fermenteurs en une journée de brassage. Là, parce que là, ça nous prend. On brasse deux fois dans la même journée, deux journées consécutives pour remplir ces quadruples-là. C'est mon échantillon avant ébullition. Parce qu'on contrôle les densités, le pH. La Black IPA, c'est une bière très aromatique. Je mets de plus en plus de houblon à mesure que le temps avance de l'ébullition. Pour faire en gros comme ça, c'est sûr qu'on développe une autre expertise. C'est super intéressant. À long terme, ça reste... c'est du brassage. On se cachera pas, c'est un peu un travail de chat. C'est assez routinier, c'est physique aussi, ça paraît peut-être pas, mais... Le brassage, le démachage, là, où il faut retirer le grain, beaucoup d'équipements lourds, les fûts, c'est pesant. Une fois plein, c'est comme 160 livres. Beaucoup de... faut aimer jouer dans l'eau, là. Il y a de l'eau partout, tout le temps, toujours mouillé. C'est rare de finir une journée sec, là. C'est exceptionnel parce qu'on a fait du bureau. Puis, excusez-moi, je vais juste vérifier un petit quelque chose, là. Midi et demi. Juste être sûr que je déborde pas. On peut prendre des petites pauses, là, mais une pause trop longue appelle au mouton. Ça, on n'en veut pas. Puis là, ici, on est en plein travaux. C'est notre future salle d'embouteillage. L'embouteillage qu'on devrait acheter cette année va nous permettre de faire deux palettes à l'heure. Là, si on fait deux palettes dans une journée, c'est beau. T'sais. Donc, on va pouvoir aussi avoir un gain là-dessus sur la quantité et sur la qualité aussi, parce que cette embouteilleuse-là, on a beaucoup de pertes. Dans le produit qu'on fait ici, l'eau est vraiment particulière. C'est la nappe phréatique là, qui est pompée directement. Donc, c'est une eau dans laquelle il y a beaucoup de minéraux, il y a une certaine dureté temporaire qui n'est pas nécessairement facile à travailler. C'est un peu une des raisons pour laquelle on fait beaucoup des bières axées sur le houblon, puis avec une amertume prononcée, parce que c'est une eau qui va très bien pour ce style de bière-là. Il y a certaines personnes qui, même nos bières les plus blondes, là, les trouvent un peu costaudes. Mais qu'est-ce que tu veux d'abord, on n'en fait pas, nous autres. Tout ce qui est IP à l'américaine, là, j'adhère à ça. Je suis encore là-dessus, puis c'est ma tasse de thé. Tout ce qui est floral, bien amer, résineux. Nous, ça fait 2 ans qu'on fait des Harvest Ale quand vient l'automne. C'est vraiment comme 100% ce qu'on appelle wet up, houblon humide. C'est de la feuille qui n'est pas séchée. C'est par exemple, on va récolter le matin, puis dans l'intérieur de 24 heures, on utilise la feuille pour brasser la bière uniquement, 100%. T'sais. C'est un courant qui est très répandu sur la côte ouest américaine. Quand il y a une proximité des brewpubs ou des petites microbrasseries avec des producteurs de houblon, c'est sûr que ça a développé ce courant-là. Fait que nous, l'année passée, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé récolter chez Derek à côté, en haut de la côte ici. De Serge au printemps, je suis pas mal tout seul à m'occuper du houblon. Julie est avocate de profession. Fait que là, elle est en congé de maternité présentement, sinon elle va retourner au travail ensuite. On a trois variétés. Du Golden qui est rendu à troisième année, un peu plus loin du Cascade, et puis du Nugget. Pour les microbrasseries, c'est un besoin
pas, je dirais pas essentiel parce qu'ils peuvent toujours l'acheter des États-Unis ou de l'Europe, mais c'est un plus-value pour leurs produits. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent. C'est un partnership, si on veut. Julie a quand même investi pas mal de sous. Fait que ça, c'était plus ou moins son rôle. Être capable d'investir le capital nécessaire. Puis, j'ai entendu que c'est moi qui s'occuperais de la production. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage. La meilleure façon au Québec, c'est de travailler dans des brasseries. Il n'y a pas d'autre. C'est sûr que les formations, ça aide. Il faut que tu lises, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Mais sinon, il n'y a rien comme d'aller prendre l'expérience dans une brasserie commerciale pour voir à quel point c'est différent que de brasser chez toi. Là, parce que les équipements sont différents, la façon, les méthodes de travail est différente, tout ça. Puis faut s'adapter au fait que c'est principalement du nettoyage qu'on fait, principalement. Pousser puis tirer des boyaux, là, c'est un peu ça là, qu'il travaille. J'ai lâché l'école pour tenter ma chance. Puis la semaine d'après, j'avais été engagé chez les McCaslin. Pour prendre l'expérience, il faut l'apprendre. Il y avait beaucoup d'erreurs à faire là, quand même. La première fois qu'on en faisait, c'était avec des kits là, déjà tout fait. Tu as juste à mettre de l'eau puis tu fais fermenter ça. Puis après en avoir fait 4-5, là, j'ai commencé à faire ça avec des grains. On faisait ça, je faisais des 4 litres. C'était, au lieu d'avoir un faux fond dans une cuve, bien, c'était un gros coton fromage d'un gros sac. Bien, pas si gros que ça. On le pressait à la main, là, tu sais, puis ça me brûlait les mains. C'était complètement stupide. Puis on arrivait avec 4 litres à la fin, à peu près. Puis c'est pas particulièrement bon non plus. Là. Mais ça donnait le goût, tu sais. Ça donnait le goût de réessayer. Puis dire, OK, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire de mieux? Puis améliorer l'équipement, connaître les ingrédients, tout ça. Que j'aimais vraiment les bières qui se faisaient en Allemagne. On est allé visiter Munich, Bamberg, Berlin, tout ça. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur toutes sortes de bières que j'aimais, mais que c'est rien comme d'aller goûter là-bas et de voir comment c'est la culture de la bière en Allemagne. Fait que là, ça, c'est parti. On va laisser tourner 20 minutes. La bière, ça fait vraiment partie de la culture. D'aller au bar, de consommer socialement, de boire de la bière avec leurs amis, d'y aller à toutes les semaines, tout ça. T'sais, ils vont manger là, ils boivent une bière. Puis c'est vraiment ancré dans la communauté. Ici, c'est ça. Ce qu'on voulait, c'est que ça soit une ambiance agréable, que les gens viennent avec leurs amis. Puis c'est quelque chose de social. Tu viens prendre une bière, c'est pas parce que tu as le goût de boire une bière, tu viens prendre une bière parce que tu as le goût de socialiser avec des gens. C'est que ça fait pas longtemps que j'ai déménagé et j'ai pas encore mis d'or là-dedans. Ok, on va y aller avec ça. Ben à plus, man! À plus! Ben, j'ai acheté un plein pied, Kevin. Allez-moi d'où?
pas loin de la souche, là. On va être chez nous. Je vais être capable de tout brasser mes tests chez nous. Ça va être pas pire pour ça. Bon, c'est plus pesant qu'un appart, là. Je veux pas, quand ça fait 10 ans que t'es en appart, t'as le goût de faire autre. Le soir que l'idée est germée, partie de biologie, parce qu'on faisait tout le temps des parties de bio. Moi et mon chum Olivier Giguère, on brassait ensemble. On faisait 3-4 brasses par mois, puis on s'amusait bien gros à faire les affaires péter au mur, puis au Tizabanard, puis plein d'histoires pas possibles. Des affaires vraiment qui étaient pas bonnes, des affaires qui étaient vraiment très bonnes. On y allait vraiment assez à erreur. Éventuellement, on a amené 2 caisses à 24 à ce party-là. On a dit au monde, servez-vous là-dedans, puis on veut vos feedbacks. Le feedback, en gros, de la soirée, c'est les gars, partez-vous le micro. Parce que vos bières sont bonnes, puis on aimerait ça en goûter, genre, tout le temps. Je leur ai demandé, moi, les gars, après ma maîtrise, je pars le micro. Je suis embarqué dessus. Les deux gars, ils ont dit, ben, qu'est-ce que ça implique, tu sais? Nanana. Temps, argent, puis plus de vie. Pour un bout, mais du fun en crise. Bienvenue dans notre immense salle de brassage. Ça a pris quasiment un mois avant le cœur de brasser quand le kit était ici. Parce qu'il faut installer toute l'hélicole, il faut installer le moulin, installer une ventilation. Mon chum Guillaume qui m'a fait un beau petit CIP, Cleaning in Place System. Mon chum Luc Boivin qui m'a fait mon panneau de contrôle. Vraiment un projet de belle envergure pour tout le monde. On va avoir 2 autres fermenteurs d'ici normalement mi-septembre. Fait qu'à mi-septembre, on va être très très exigu. Une chance que je suis seul à brasser ça parce que je tolérerais vraiment pas votre monde. Que je choisis, c'est tu sais, comme la Caltar, dans le fond, c'est du patois. Là. Le monde disait ça pour parler de l'asphalte, là, dans le fond, du boudron en général. Là, ben, comme c'est une bière noire, c'est une espèce de référence à ça. Mais c'est important d'avoir un côté historique. Tu sais, d'habitude, j'essaye vraiment de faire des bières digestes le plus possible. Là. C'est pas mal ce que j'ai aussi de façon générale, mais j'ai remarqué que des fois, même les bières un petit peu moins atténuées, c'est un peu comme du bonbon. À matin, les gens ils ont tendance à avoir la dent sucrée pas mal. Fait que j'ai remarqué que les bières un petit peu plus sucrées, ça passe bien, mettons. Tu sais, quand il y a un client qui arrive, il s'assoit à une table, c'est combien de temps avant qu'il aille sa bière en avant? 2 minutes, 3 minutes. Plutôt ben, des fois, il n'y a pas le temps de ceci. Plus long, touché des fois. C'est ça, il faut que ça reste chaud, il faut aller porter la bière. Tu sais, d'aller accueillir le monde qui rentre à la porte, là, ça fait toute la différence. Là, de les placer aux bonnes places aussi pour pas qu'un d'eux prenne une table de 5. Mm-hmm. C'est rendu trop long. Il faut au moins que tu l'ailles saluer là, à la première minute qu'il rentre dans le bar. Puis après ça, là, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais le client, là, il peut attendre tant que sa bière, là, il peut attendre. Il va être content. Ils sont stressés. Tu le sais. Mais tu ris avec les autres. Ouais. Je fais, ah, mais c'est vraiment pas grave. Tout le monde. C'est que ça arrive. Mon père, il m'aide quasiment tous les brassins. Souvent, ben, je vais faire de l'enfutage, je vais laver des fûts, je vais faire du nettoyage un peu pendant que lui s'occupe du brassin comme tel. C'est drôle parce que souvent, les gens pensent que c'est mon père qui avait la brasserie et que c'est moi qui ai suivi les traces de mon père. En fait, je fais ça pour m'aider. Quand tu as une entreprise de même, moi, je ne fais pas juste le brassage, je m'occupe aussi de plein d'autres affaires. Je dirais que depuis le début, ben, on a éteint pas mal des petits feux à gauche et à droite. Donc, on a eu beaucoup d'énergie à mettre dans d'autres choses que le brassage. Fait que, je serais probablement rendu plus loin que ça dans mon développement de brasserie
si j'avais mis 100% de mes énergies là-dessus. Parce qu'en fait, notre grosse surprise dans l'entreprise au complet, là, au départ, ça a été surtout à quel point que la cuisine a marché beaucoup plus qu'on s'imaginait. Parce qu'au début, la cuisine, on voyait ça comme étant là, secondaire. Finalement, c'est comme rendu sur finalement égalité, même des fois un peu plus la cuisine. Mais c'est peut-être le seul compromis qu'on a fait. Là. Sinon, c'est sur l'ambiance, on est resté avec l'ambiance qu'on avait spotée au début. Dans les débuts, au fond, moi, qu'est-ce que j'entendais beaucoup là, des clients, c'est le fun quand on vient chez vous parce qu'on n'a pas l'impression d'être amateur. C'est un bar où que les murs sont blancs parce qu'on expose des artistes. Puis il y a beaucoup de lumière, ils n'ont pas l'impression d'être à Matin, ils ont l'impression d'être à Montréal ou à Québec. Fait qu'ils aiment vraiment ça venir. Ça change là, des tavernes ou des bunkers, discothèques, choses comme ça. On leur prend, on reprend. Elle connaît là. On les pète tout en même temps, OK? OK, on a toutes les lunettes de sécurité. OK, 1, 2, 3. OK, bon. J'ai besoin de 7 poches de même. C'est le Manu Waterford, donc ma stock classique. J'augmente la densité, tout simplement. Puis on va rajouter un 12 kg de café qui a été moulu, frais moulu, en fait. Je vais mettre ça là-dedans. Ça, ça me permet de partir mon mash. Après ça, je vais en remettre dedans. Et il y a un moteur en haut qui fait tourner une vis à l'intérieur de ce tuyau-là. Le grain monte. Puis là, il va se mélanger à l'eau à bonne température en haut. On met 200? Ouais, on peut mettre un peu plus, on va commencer en 15. Que là, présentement, dans le fond, j'ai mis toute la quantité d'eau que j'ai besoin dans la bouilloire pour la faire chauffer. Fait que, on va faire ça aujourd'hui. C'est un petit peu plus de grains que d'habitude, 115 kg de grains. Ça va être un petit peu plus dur à brasser. Là. Je vais donner un coup de main à mon père, je pense, pour brasser. Là. C'est la plus haleine, maintenant, c'est drôle. Ça, c'est la fourchette à Gaétan. S'il y a des intrus qui viennent, on peut toujours s'en servir pour les... on ne voit pas d'ici, mais j'ai un acolyte qui va me fournir du grain. Voilà. Comme c'est la blague avec lui, le grain est fourni ici. Et beaucoup de grain. Ça, c'est la seule étape qu'on faisait qu'on brasse vraiment. Là. Ça dure 20 minutes, une journée, puis on a donné ce nom-là au métier. Là, avec ce coquet-là, c'est notre bison. C'est avec plus de 50% de blé, malté, une levure qui donne des arômes de banane, de fruits de girofle. C'est parti!
d'autres dans la bière, hein? C'est ça le numéro. Vraiment la partie la plus forçante de la journée. Après ça, on regarde des pompes et on boit du café. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la pente qu'on va se servir pour faire la sortie. L'eau a toutes les civets, les grains, puis les sucres, puis tous les éléments, ils descendent, puis ils s'en vont dans la bouilloire. Ce qui sort, là, c'est ce qu'on appelle le mou. Ça, c'est le mou, juste avant l'ébullition. Ça brûle. Quand j'atteins ma température, il y a souvent une bonne prise de mousse. Et puis c'est arrivé à plus qu'une occasion que ça déborde complètement. Donc on va la surveiller. Je prends une pause, tu sais. Je regarde ma mousse. On a ce premier blanc. Oui, on va être là de mettre son blanc en terre. Ça bouille. Fait qu'on drop tout ça dans la grosse chaudière là-bas. Oh yeah! On va refroidir au travers de l'échangeur. Puis on envoie le mou dans un des trois fermenteurs. Ce qui reste dans le fond de la cuve, c'est les drèches. Ça fait partie de la routine du brassage. Souvent, on s'imagine quand on démarre une brasserie, quand on va faire juste du brassage. Le brassage, en fait, c'est un gros 50% si c'est pas 60% de nettoyage. C'est plus plaisant qu'au mois de janvier. Fabrique, c'est un de nos bons clients, il achète notre bœuf haché. Le brassard de la fabrique, il l'envoyait à un autre producteur, que lui, il a abandonné la production de bœuf. Fait qu'après, ben, il rentre en contact avec moi. Il m'a demandé si j'étais intéressé à prendre les drèches de la brasserie pour donner à mes animaux. Fait que j'ai dit, oui, c'est super, ça fait de la récupération en même temps aussi. Les animaux me baissent. C'est ça, c'est des friandises pour eux autres, là. Ouais. C'est comme si on était le maire. Ouais. Faire un produit qui est presque 100% de la région. Tous les produits que j'achète, qu'on met dans la terre, qu'on récolte, qu'on a
c'est incroyable, là, les retombées pour les régions. Il y a des villages qui sont en train de revivre à cause de quelques petites entreprises qui sont reparties. Nous autres, on était comme, ah, ben, tu sais, à Matane, il y a plein de monde qui sortent pas, tu sais. Puis à un moment donné, ils vont venir chez nous parce que c'est une nouvelle affaire, puis c'est différent. Puis on sait que c'est le genre de place que le monde va chercher. Parce que nous autres, c'est le genre de place qu'on cherche. Puis à quelque part, on a fait ce projet-là aussi pour se faire une place pour nous autres, puis pour le monde qu'on connaît, tu sais. Puis, ben, ça a vraiment marché, tu sais. Il y a vraiment du monde qui sortait plus, puis qui ont recommencé à sortir à la famille, tu sais. Autant sur la bière, la bouffe, que le volet culturel, justement, tous les événements qu'on fait. Tout ça, il y avait un gros vide. Il y a d'autres restaurants, puis justement des dépanneurs qui se sont vraiment plus spécialisés sur les bières de microbrasserie. Ça a développé un goût, puis ça fait que le monde en consomme juste plus, puis ils sont plus curieux. Fait que, de ce côté-là, ça a été vraiment bénéfique. Avec la fabrique, moi, je trouve ça génial parce que t'as comme vraiment la belle définition. Dans chaque village, dans chaque ville, il y a toujours une rue qui s'appelle la fabrique, ça, c'est officiel. Puis en plus, ben, tu sais, avant, les gens se réunissaient dans les sous-sols d'église. Super cadeau. Là, maintenant, ben, les gens ne se réunissent pas sur l'église, mais ils se réunissent à la fabrique autour d'une bière. Je trouve ça génial. La particularité vraiment du Québec, c'est qu'on n'a comme pas de tradition brassicole. Il y avait une pub de Molson dans le temps qui disait jeune depuis 1903. Là. 1903, c'était hier. C'est comme, ça fait pas longtemps. T'sais. Tu vois, en Belgique, ça fait comme 5, 6, 700 ans qu'ils font. Ils ont comme des espèces de ce qu'on peut appeler des paradigmes de brassage, dans le sens où on ne va pas dire à un Belge comment faire sa trip, il va pitcher les roches. C'est la même chose en Allemagne, avec, ils sont beaucoup inspirés par la loi de la pureté, par exemple. Chaque brasseur a son style favori. Tu regardes, par exemple, le Corsair, je pense, vraiment axé sur les bières anglaises classiques. T'sais. Ça, c'est super bien. Puis il y a des brasseries, je pense peut-être à Saint-Hyacinthe, brasseur du monde. Plus axé sur les bières belges. Je pense que les brasseurs au Québec, on fouille partout, puis on expérimente, puis c'est ça qui est le fun. Je vais en Belgique, on fait d'excellentes bières belges. En Allemagne, on fait d'excellentes bières allemandes. Mais il y a des bières québécoises qui ont gagné contre des Belges. Fait que je veux pas dire qu'on fait la meilleure bière au monde, mais on n'hésite pas à essayer de faire la meilleure bière au monde. Et ça, ça fait toute une différence. Ça, c'est vraiment la signature, à mon sens, là, c'est vraiment la signature du Québec. C'est sûr, c'est ce qu'on entend beaucoup de touristes étrangers qui viennent au Québec. Parce que si, par exemple, tu vas en Belgique, tu ne pourrais pas avoir dans une même place, un même établissement, que ce soit un brew pub, un bar à bière, mettons une pils au menu, une double IPA, une saison passée dans des barils avec de la brette, un Imperial Stout, ou tu sais, avoir tous les grands styles brassicoles réunis sur une même carte avec des interprétations qui sont comme très justes ou à la fois complètement éclatées. C'est vraiment comme une particularité, là, je pense, au Québec. That's right. Merci, j'ai déjà donné le feu avec ma mère. On a décidé de partir à Gatineau avec un autobus d'amis et clients de la succursale. On devrait être une quarantaine si tout le monde se réveille. Et on s'en va au Brasseur du temps. On avait le goût d'aller là parce que la bière est bonne, parce que c'est du monde agréable, qu'on connaît bien et avec qui on s'entend bien. C'est une bonne première fois, on trouvait. Ça nous permet aussi d'amener nos employés avec nous, d'amener nos amis, nos clients. Fait que c'est ça. C'est un peu éducatif, mais c'est surtout ludique. Là. Brasseur du temps, ça fait 4 ans et demi. En fait, on va fêter notre 5e anniversaire au mois de mai. Ça va très bien. Depuis le début, on a eu un gros succès. Les gens avaient besoin d'une microbrasserie dans l'Outaouais, 4e plus grosse ville au Québec. On n'avait rien. Ça n'avait pas d'allure. On a des gens que vous connaissez probablement qui ont écrit sur la bière depuis longtemps, qui viennent de la région ici, les Mario Dare, Philippe Wouters et autres. Puis dans la région, on n'avait rien. Alors, on s'est un peu gâtés en se faisant notre propre microbrasserie. Alors, allons-y! Notre premier brasseur au Québec, qui est-il? Question quiz, en arrière. Oui, bravo! L'intendant Talon, Jean Talon. Voilà, premier brasseur.
C'est important de savoir que la bière était considérée comme un aliment pendant la grande partie de son histoire. Presque toujours, les femmes brassaient à la maison, comme faisaient le pain, etc. C'était un pain liquide qu'on servait au repas. Avec la révolution industrielle, donc 19e siècle, on arrivait à produire plus que ce qu'on pouvait consommer sur une base quotidienne. Des surplus de bière, finalement, étaient envoyés aux pauvres, étaient amenés en bouteille à la maison, et la bière était devenue plus un breuvage social. Rien d'intéressant pour l'histoire locale ici, c'est le début du siècle. Un peu partout au Canada et aux États-Unis, ben, on appliquait assez durement la prohibition. Au Québec, on n'y a pas trop cru. ce qui fait qu'une ville frontalière, comme ici dans l'Outaouais, Hull l'était, ben, ça amenait toutes sortes de commerces illicites de boissons. Même Al Capone avait une planque à Buckingham, puis travaillait à partir de chez Henri, un petit bar local ici avec son neveu. Donc il y avait un gros marché, évidemment tous les policiers étaient corrompus, il y avait de la criminalité, c'était la belle vie quoi. Et d'un autre côté, il y avait aussi une scène culturelle extraordinaire, des gros clubs de jazz où, entre autres, Louis Armstrong était un des réguliers, Lionel Hampton et autres très souvent ici. Et tranquillement, comme ça, on arrive à la révolution des microbrasseries, la révolution du goût. Dans les années 80, à force de boire des produits un peu de plus en plus insipides, sans saveur, ni relief, ni couleur, bien, il y a eu des alternatives qui étaient fondées sur le goût. Et puis en même temps, au Québec, bien, on découvrait d'autres choses que la cuisine de Joanne Benoît, par exemple. Et c'est pas un hasard si les microbrasseries sont issues de cette révolution-là, où il y a une conscientisation, une mondialisation du goût. Et tranquillement, ben, la première vague des microbrasseries, évidemment, c'était nouveau. Les gens ont aimé ça. Eux autres sont quand même pas des organismes de charité. Ils se sont amenés sur un marché plus lucratif, aller vers les grands centres. Alors, même si la microbrasserie était régionale, on visait des gros marchés. Mais de plus en plus, on voit que les microbrasseries s'enracinent dans leur communauté. Ils vont travailler, par exemple, avec ceux qui ont des cuisines, avec des producteurs régionaux. Vont encourager des artistes locaux, par exemple. Vont être vraiment des éléments participant dans leur communauté. Maintenant, au Québec, on a une centaine de microbrasseries. Et de plus en plus, je vous dirais que c'est ça la tendance, c'est de se développer puis d'avoir une espèce de couleur ou une saveur locale dans cette microbrasserie-là. Alors, c'est un peu dans ce cadre-là, nous autres, qu'on travaille. On veut devenir un peu la microbrasserie de l'Outaouais. Puis que les goûts, les évocations sur nos étiquettes, nos noms de bière, l'histoire même, ben, reflète un peu cette réalité-là. Dans les 5 à 10 prochaines années, là, on dit qu'il y a 100 microbrasseries au Québec, là, mais loin d'en avoir 100 bonnes. On en a des esties bonnes, mais ils sont pas toutes bonnes. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va fusionner, ça va se faire racheter, ça va évoluer, ça va fermer. Il y a beaucoup de ces micros-là, c'est des espèces de trucs régionales. Où, regarde, vous êtes avec la gang de la succursale. La succursale, là, les autres, ils veulent pas faire de la bouteille, ils veulent pas faire du jus. Ils veulent... Je pense ceux qui ont bouteille, Mais il n'y en a pas 5 en bouteille. Tiens, moi, là, sérieusement, là, j'étais une petite mouche écrasée dans une vitre, là, sur le marché, là. Puis même s'il y en a 600 qui rouvrent contre moi, là, ça, à 600, on va peut-être faire 1%. Ouais. Fait que, tu sais, c'est deux gars, deux mondes. C'est pas la même game. Moi, je vois, il y a de la place pour des nouveaux joueurs encore. De la place pour... Sérieusement, là, il pourrait y avoir dans tous les petits villages du Québec une petite microbrasserie avec la petite boulangerie puis le petit laitier. Oui. Est-ce la question, est-ce qu'on... Il y en a trop au Québec ou il n'y en a pas assez? Ou, on est toujours dans l'optique de dire mais plus qu'il y aura soit des bars à bière, soit des microbrasseries dans toutes les régions du Québec, mais plus les gens vont s'intéresser à la chose. Thank you.
beaucoup des gens qui changent leur habitude brassicole et s'intéressent à des trucs qui sont soit à la fois plus amers, plus fruités ou plus, plus éclatés. Ils reviendront pas en arrière. T'sais. Puis ça, les grandes brasseries le savent très bien. C'est pas pour rien qu'ils sont mur à mur dans les cégeps et universités. Ils savent pertinemment que quand les habitudes de consommation changent, et puis en plus de ça, je parle des grands brasseurs, souvent leur clientèle est en déclin. Je veux dire, le fou qui renouvelle, fait que là, ils font des poppers, ils vendent des parasols avec ça, puis ça devient un peu n'importe quoi. Mais à travers de ça, c'est comme si tu avais les Gaulois qui étaient la microbrasserie, qu'eux autres, d'année en année, tranquillement, lentement, mais sûrement, prennent du terrain. De plus en plus, bien, ça crée un engouement, tant dans la population en général. Ouais, celle-là est plus translucide, celle-là est plus trouble. Le houblon, tu fais le dry-up, quand on le fait tomber dans le fond avec la température, ça crée un genre de filtre naturel, un peu comme un gros bodum, là. Il y a du houblon en suspension. Il n'a pas eu le temps de devenir aussi pétillante que l'autre. C'est pas au niveau du pétillement. Celle-là, elle n'aurait pas pu devenir pétillante. J'ai mis juste cette quantité de sucre-là pour qu'elle devienne comme ça. Le but, c'est qu'elle devienne exactement comme on la voit en ce moment. La première fois que je prends de la bière à casse, c'est vrai, ouais? Vraiment délicieux. Oh, ouais, c'est une belle expérience. Tout le côté, il a fallu faire un peu d'éducation enfin, au niveau des bières et tout ça. Mais les gens ont super bien embarqué, je suis vraiment contente. Mais il y avait quand même des gens qui arrêtent pas comme, moi je bois ma Mosonix, ma petite Coors Light, puis déranger mon pas. On se l'est quand même fait demander. On se l'est fait demander, c'est sûr, là. On se l'est fait demander encore, là. Ouais. Avez-vous la vraie bière? Ah oui! Avez-vous la vraie bière? Mais je te dirais qu'en général, à Montréal, les gens sont assez habitués, tu sais. C'est pas surprenant, tu sais. Il y a des brewpubs partout depuis plusieurs années, puis c'est pas... On a toujours de l'éducation à faire, mais les gens, même ceux qui sont pas passionnés de bière, tout le monde est capable, est quand même habile à comprendre un peu ce qui se passe, puis ils ont des préférences, des goûts. J'aurais pas la prétention de dire éduquer. C'est sûr qu'il va y avoir un côté éducation, mais je pense pas qu'il se fait de ma part. Je pense que les gens viennent ici, ils viennent avec des amis qui trippent sur la bière, puis ils commencent en goûtant une blonde, mais qui goûte de quoi, puis après ça, ils s'ouvrent à de nouveaux produits. T'sais. Il y a beaucoup de beer geeks qui viennent ici, c'est des connaisseurs de bière. Les beer geeks, quand tu chasses avec eux autres, ils ont comme un background d'expérience gustative qui dépasse largement le marché du Québec et les essais de style qu'on fait ici. T'sais. C'est ces gens-là qui vont avoir des blogs, c'est les mêmes qui vont aller sur Rate Beer, noter tes bières. Fait que ça, c'est trippant. Parce que moi aussi, avant d'avoir ça ici, j'allais, mettons, chez Dieu du Ciel, c'est des amis à moi, je faisais des releases de bière, mettons, des anniversaires, c'était comme je suis le premier à aller faire un line-up là. T'sais. J'avais l'idée aussi de faire un party du jour de l'an où les brasseurs s'amusaient avec leurs fans, les amateurs. C'est des gens qui encouragent les brasseries de plusieurs façons en achetant les produits. Puis c'est ça, c'était de faire quelque chose où justement, au lieu de retrouver le brasseur au bord du kiosque, tu peux jaser avec, prendre une bière avec, manger avec, avoir du fun. C'est un événement qui risque pas de disparaître parce que c'est quelque chose qui est... très exceptionnel et très populaire. Tout le monde a fait une bière particulière pour l'événement. Puis on a fait une collaboration avec l'Espace Public, qui est un bar brasserie artisanale qu'on aime beaucoup sur la rue Ontario, dans le quartier Hochelaga. Donc on est un peu voisins. On collabore pour la première fois dans une bière qu'on a fait pour le Winter Warmer, qui est une lager forte fumée. On n'est pas là pour pousser nos propres produits. On est là pour vraiment montrer la fraternité des brasseries au Québec, de montrer qu'au Québec, il se passe quelque chose de vraiment intéressant au niveau de la bière, puis qu'on est capable d'aller toujours plus loin et de le montrer à tout le monde.
monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment une soirée décadence pour tripeux. C'est des beer geeks, c'est des amateurs avertis, ils connaissent les bières, ils connaissent les brasseurs. Tu fais passer un brasseur dans la salle, il est considéré comme une rockstar. C'est ça le milieu de la bière. En deux jours, on va nourrir 1200 personnes de 3h de l'après-midi à 1h du matin. Donc on les nourrit presque trois fois. Donc ça prend énormément, c'est comme si j'avais servi 3000 repas, même plus que ça, presque 4000 repas en deux jours, dans une cuisine où ici, hier, il n'y avait rien. Donc ça prend énormément d'organisation. Smithville. C'est très sucré. On n'a qu'à ça fini de fermenter. Fait que pour l'instant, la cave est loadée. On enlève même des bières du menu pour se faire la place pour le festival. Parce que c'est là qu'on veut donner le coup. C'est un coup de pub aussi pour nous autres, pour te faire connaître. Puis faut pas en manquer en même temps. Faut pas manquer de bière au pub. Fait que les fermenteurs roulent à plein. Bon, c'est le fun. Ça roule. Il y a du social à faire. Puis. Les belles rencontres, le monde qui tripe sa bière, ben, ils sont là, tu sais. Puis, je suis pas gêné de présenter ce que j'ai à présenter. À 20 minutes à pied, ici, c'est Alimoinou. Alimoinou? Ouais. Tu vas m'en revoir, c'est sûr, certain. Alors, OK. Tu me sers quelque chose d'extraordinaire. J'aime les bières belges, je suis vraiment un gros amateur de bière. La plus pétée. On va rouler pas mal quelques kilomètres avec ça. L'avoir chez les yeux du ciel en ce moment. Il n'y en a plus. Ouais. Ils ont été amenés. Ça a l'air que les deux barils de framboise que j'ai amenés le matin sont finis. On va purger la ligne et c'est reparti. On va manquer de bière, là, sérieux, on a fait des poules. Nous autres, on a l'équivalent de 30 barils de 50 litres. Les dieux du ciel ont l'équivalent de 70 barils. Fait que il va se passer quelque chose quelque part. Je trouve que c'est pas assez bucolique. On est tous cordés ici dans la tente, puis mon nom chaud, puis ça paraît. On en perd la voix parce que justement c'est bruyant, c'est crowded, puis on parle beaucoup, on répète toujours la même hostie d'affaires. Il y a une bière qui est vraiment distincte des autres, mais en fait c'est la Lyon Breakfast, une IPA à la goyave et au thé. À part de ça, je trouve qu'il y a gros de la grosse brasserie, Heineken, Rickards, Bud, Molson X, c'est des gros noms. Remarque, ça attire du monde, là. Ça fait vivre le festival, c'est sûr.
On est toujours avec des chums, on se connaît de plus en plus, soit qu'on est voisins de kiosque ou on est des amis dans la vie, on se connaît parce qu'on fait la même affaire. Fait que c'est là, c'est du gros fun là. Les soirées sont belles et arrosées. C'est notre événement ce soir au Bateau de nuit. C'est un bar qui met vraiment sur la qualité au lieu de la quantité. Là. Bateau de nuit. Là. Ça rapproche le monde, puis c'est un beau milieu, c'est un milieu qui, je pense, qui est assez serré. Comment tous les brasseurs sont venus au moins faire le petit tour, boire le pain, on aime ça. On est venu à Québec pour la soirée ici. On est pas dans un processus de vente ou machin, t'sais. On est ici pour avoir du fun, avec du monde qui tripe sur la bière. T'sais. C'est toujours plaisant de voir ce que les autres font, plaisant ou déplaisant à l'occasion, ça dépend. On a goûté à la souche d'ailleurs. Nous avons passé les beaux prix. Très bonne pelle américaine, la souche. C'est super bon en casque. Super bien. Je pense que au niveau brassicole au Québec, la clé, c'est de faire de la qualité. À la mesure où est-ce que tout le monde a cette mouvance-là, il y a un nivellement vers le haut qui se passe. La notion de compétition est un petit peu évacuée. La notion de dualité. Mais pas la commence à avoir un peu moins de bras à la fin du festival. Ouais, le carré. On est dimanche. Fait 3 jours de brosse, de pas dormir, puis de trop de bateaux de nuit, pour certains. Puis, bon, on est sur la bière au thé, là, pour se tenir réveillé. Ouais, moi, j'ai arrêté un peu, mais c'est quoi, 14 paris qu'on a passé? On est rendu à 16. Hein? 16 paris. C'est quand même un bon premier festival, là. Ça vaut pas mal. Notre réseau pour la diffusion, fait que vous allez commencer à avoir des bières par-ci par-là, soit dans les groupes bas, vous avez des bières qui vont être faites à l'autre. Et si on regarde la production des bières partout au Québec, voire dans le monde, on fait beaucoup à faire avec des particularités de houblon, comme par exemple le houblon de la côte ouest américaine. Pensez-vous, surtout toi, Jean-Jean, est-ce que le Québec va être capable d'offrir la même particularité, les mêmes arômes? Je pense que c'est au Québec. Si on veut réussir à se différencier, si on veut réussir à vendre notre houblon, on n'a pas le choix de se distinguer.
Aujourd'hui, c'est la récolte. La plus grosse, la première récolte, c'était un petit peu moins fournie. Ça, c'est les plants de cascade qui sont un plant qui fournit beaucoup et qui fait de la belle cocotte. Là. Okay. Donc, c'est pour ça. C'est une grosse journée. Il va être analysé aussitôt qu'il va avoir fini de sécher. C'est là qu'on va savoir si on est dans les parts requis pour telle variété. Après avoir été séché, on va le pelletiser. Là, encore une fois, il va y avoir d'autres analyses qui vont être faites. Et un coup mis en pellette, bien, ça va se retrouver chez les microbrasseurs. Et puis de là, bien, ça va se retrouver dans nos verres de bière. D'après vous, le houblon qu'il fait, il est-tu bon? Ici? Oui. Des variétés? Oui, l'arôme est bon. Puis le fait qu'il n'était pas arrosé contre des maladies, alors c'est-à-dire que c'est très naturel. Quand on est un microbrasseur, on aime la bière, évidemment, mais on aime tous les autres aspects de l'industrie, les houblons, l'orge, toutes ces affaires-là sont intéressantes. Quand nous avons brassé la Sainte-Amboise bière blonde, à l'époque, c'était considéré comme extrême en style. So, nous avons vu que l'industrie a changé beaucoup, même les consommateurs ont un intérêt de goûter les choses. Maintenant, c'est un bon timing pour le développement de l'industrie du houblon. Il y a eu une vague de bières, les IPA de ce monde, les ales américaines, les pale ales américaines, etc., très houblonnées. Puis ça, conjointement avec les nouvelles microbrasseries qui arrivent, ça a fait exploser la demande en houblon. Les microbrasseurs sont devenus très inconfortables et ont lancé un message très clair. On a besoin de production de houblon au Québec. Ça nous en prend. Puis là, c'est là que les pionniers ont commencé. Puis là, ça s'est développé jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui chez Houblon de Nam ici. On commence à avoir un bon matelas, hein? Je dirais que comme c'est là, on a autant qu'on avait de gourdé. Ah, c'est bon. Ouais. 2 feet high represents about a half an acre. Une chose que je pense qui est très importante, c'est que l'industrie du houblon, il faut qu'ils travaillent très prochement avec l'industrie brassicole, les petits brasseurs du Québec. Il y a du houblon dans le fond. Ça sent bon, hein? Oui, elle sent bon. Elle sent plus éclatée que la dernière. Ouais, c'est un petit peu jeune, mais ça va décanter. Si le houblon au Québec peut se développer assez pour qu'on puisse développer des variétés québécoises, ça serait génial. Parce que là, ici, tout ce qui se pousse au Québec, c'est du Cascade, du Nugget, du Centennial, du Golding, des variétés qui ne sont pas des mauvais houblons en soi, et j'ai aucun problème avec ça. C'est usuel. Quand les Anglais sont venus ici, les Irlandais et les Écossais, là, eux autres, ils avaient soif, il fallait qu'ils boivent de la bière. Puis il n'y avait pas de brasserie, de grosse brasserie. Fait qu'eux autres, ils faisaient leur propre bière. Et pour faire leur propre bière, ils avaient leur propre houblon. Fait qu'il y a 200 ans, 300 ans, quand ils sont arrivés, ils ont amené le houblon. On sait que ce houblon-là fait partie de notre patrimoine culturel. On sait aussi que ce houblon-là a des particularités de rusticité qu'on n'aura pas dans d'autres. C'est un houblon qui, par sélection génétique, sélection naturelle, s'est adapté au climat ici. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne ce houblon-là, qu'on développe, qu'on trouve exactement qu'est-ce qu'il goûte, qu'on trouve ceux qui goûtent les mieux, le meilleur, qu'on analyse tout ça et qu'on sorte un houblon qui soit québécois. Je ne peux pas être contre avoir envie de développer un goût local comme ça. Puis si en plus, un jour, on peut avoir du houblon... fait ici de qualité, ça va être excellent. On est preneur, c'est sûr. Ben là, j'ai entendu parler dernièrement de la nouvelle gamme les bières amérindiennes de Carleton, le frangeur. Je trouve ça tellement inspirant pour nous autres, les brasseurs. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut qu'on s'enligne. Il faut qu'on développe, il faut qu'on y aille avec nos levures, il faut qu'on y aille avec nos houblons, il faut qu'on y aille avec nos ingrédients. C'est là qu'on va développer un terroir brassé. Thank you.
présentement, on a la capacité suffisante pour tourner encore pour plusieurs années. On a assez d'équipement. La seule affaire qu'on va augmenter, c'est la cadence de production et le nombre de personnes qui vont travailler. Mais ben, franchement, si on servait, on est loin d'être à 100% là, de l'utilisation de l'équipement qu'on a ici. Prochainement, c'est sûr, j'aurais aimé ça aussi faire la bière en casque. Là, ça va prendre une belle autre place, mais encore là, la bière en casque, c'est beaucoup de travail. C'est pas tout ça. T'sais. C'est pas tout d'avoir l'équipement pour le faire aussi. T'sais. C'est pas mal plus de travail que faire la bière ordinaire. On s'entend qu'on fait ça pour le plaisir, là, pour le plaisir des amateurs de bière aussi. C'est un sujet qui semble arriver. Tu vois déjà avoir plus de possibilités que maintenant. C'est sûr, j'avais peur au début. J'ai dit, oh non, ça va être comme, j'espère que ça sera pas un feu de peur. Tu sais, ça a comme... On appréhendait tout le temps l'espèce de creux. On se disait, bon, là, c'est la première année, mais finalement, ça... Ça s'est comme maintenu. Il n'y a jamais eu de creux comme tel. Moi, je réalise pas tout le temps que, tu sais, on est rendu là. Pour vrai, là, je fais comme toi, des fois, je vais... Hey, on a 3 ans de fête, ça va super bien, on n'arrête pas d'avoir des nouveaux employés de plus en plus. Ben, ça grossit. Mais on dirait que je réalise comme pas, puis là, des fois, j'ai des petites prises de conscience, là, du style, hey, OK, on gère ça ici, là. C'est quand même gros, pareil, tu sais, puis ça se fait naturellement, ça s'est tout fait de fil en aiguille, mais tu sais, on le réalise pas tout le temps, justement. Non. On l'a tellement en face que on n'a pas de recul, même, par rapport à ça. Pas partout. Maintenant qu'on a la possibilité de brasser avec la coopérative Ma Brasserie, qui est située vraiment proche d'ici, ça va nous ouvrir des portes pour pouvoir faire des petits projets à côté avec la bière. T'sais, ça va nous permettre de fournir, par exemple, d'autres bars si on voulait, en petite quantité. Ça va nous aider surtout à fournir le bar ici pour qu'on ait plus de bières maison disponibles en même temps. Ça va nous aider à participer à plus de festivals aussi. Mais le but, c'est vraiment de rester local au niveau de la succursale. Le projet de coop, ça donne que c'est dans notre quartier, tu sais. C'est la Faber. J'ai 3 amis, leur nom de famille, c'est les Faber, c'est tous des cousins. Puis c'est eux qui m'ont initié à la brasse. On a fait 2 brasses il y a 8 ans, je pense, en concentré. Puis ils m'ont donné l'amour, la piqûre. Fait que c'est en leur honneur, un petit clin d'œil, merci aux Faber de m'avoir amené dans ce monde-là. Puis eux autres, ils ont arrêté, ils m'ont donné leur matériel 3 semaines après. Donc j'ai pris la relève. Autant ben, qu'on a commencé à brasser il y a à peu près 8 mois, fait que la qualité de la bière a déjà pris une coche, mais aussi au niveau de la bouffe, la cuisine, au niveau du service, au niveau de l'ambiance. On n'a jamais fait de publicité ici à la souche ou presque. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'étais ma bouche à l'oreille. Hey, ils ont de la bonne bière, hey, ils ont de la bonne bouffe, l'ambiance est le fun, etc. Puis ça a levé, puis ça finit pas de lever encore. Ça, on est super contents. C'est autant du monde nouveau qui vient. Autant du monde de Limoilou qui est à 2 rues d'ici, que du monde de la Haute-Ville, de Sainte-Foy, de Beauport, Charlevoix, qui se déplace parce qu'ils en ont entendu parler. Et c'est super la fun pour ça. Ça fait 2 ans. Confirmer puis venir, c'est bien différent, mais je pense qu'on va avoir une bonne grosse journée. Ça a l'air de vouloir s'annoncer comme ça. 6 bouteilles de framboise aussi. Puis à ce moment-là, on prendrait 6 bouteilles de triple X, puis ça ferait 2 caisses pleines. C'est lesquelles qui sont faites avec notre boulot? Elle est en fût seulement. Juste en fût ou quoi? Ah, ok, ben moi, tu sais. Ah, ouais, c'est sûr. Fait que 6 triples? Ouais, 6 triple X.
On va aller faire un tour. Elle a une très belle couleur. Mais moi, c'est juste un type de là-bas. Mais en plus que passé. Pas mettre, moi, j'avais fait des barriques au cheval blanc. J'avais commencé à tenter le vieillissement en barrique. Sauf que l'envie était là d'en faire ici. T'sais, c'est vraiment trippant en tant que maître brasseur d'expérimenter avec la barrique. C'est un créneau particulier. C'est de la bière plus pointue, mais c'est de la bière qui peut être vraiment exceptionnelle. Puis c'est clair qu'on va en faire le plus possible. On est des beer geeks à la base, puis de se rendre compte que finalement, il y a vraiment un engouement vers des beer geeks qui viennent ici. T'sais. Plein de monde qui ont plein de choses à faire, ils ont des enfants ou peu importe. Mais ils prennent la décision de venir ici, acheter de la bière, prendre le temps de venir nous voir, prendre une bière avec nous autres. C'est la plus belle tape dans le dos que tu peux pas avoir en tant que microbrasseur. Puis c'est le fun de les voir. En tout cas, je lui lève mon verre, c'est génial. Puis je lui dis merci. C'est comme. Excuse-moi, je suis un peu ému. Il est ému. Il est un peu ému. La première fois qu'on a fait ça, on savait qu'il allait y avoir du monde un peu, mais c'est vraiment au-delà de nos espérances. Là, c'est super trippant. C'est sûr que ça nous donne le goût d'en faire d'autres, c'est clair. On va en faire plus. On va essayer d'en faire plus. On va faire plus de stock, puis maintenant, ça va devenir une tradition. Oui, c'est faire une tradition. Ça va devenir une tradition. Faites de la bonne bière. Ouais. Ouais, faites de la profil bière. Nugget cascade. Avec un smidget de Centennial. Ouais, super cool. On veut comme grossir avec le même team qu'on a là présentement, s'organiser parce qu'on a toutes des familles, on a tous des enfants. Mais le pari qu'on veut faire, par exemple, c'est de devenir la meilleure brasserie au monde. Ça peut paraître très prétentieux de dire ça, mais c'est plus l'idée qu'on est ici pour faire de la qualité. Le but, c'est pas, on veut pas loader les tablettes. J'avais pas besoin de ça pour vivre. Je me suis acheté du travail ici. Puis, sur mon chemin, bien, j'ai rencontré Éloi Date, ça y tentait d'être ici. La qualité, au final, c'est une question de chimie par rapport à un team qui est présent. Puis, depuis un an, je pense que du bois, là, du vrai bois, là, c'est présent. Ça se voit pas. Merci de m'avoir sorti du champ. Ouais. Ha ha ha!
Thank you.